n'a plus de munitions. Allons-y. Allez, viens. Poursuivons-le, toi prends par l'autre rive. Allez. Pays Apache sans fusil. Hey. C'est son troisième jour sans manger ni boire. Je vais raconter à tout le monde que Todd le Comanche était l'homme le plus brave que j'ai pendu. Couvre-moi, je le suis. D'accord. Ça alors, c'est curieux. Ah.
Ben, c'est plus la peine d'économiser l'eau. Juste assez pour te garder vivant. Juste assez vivant pour pouvoir te pendre. Paraît qu'un gars pendu par les Cheyennes avait mis pas loin d'une demi-heure pour crever. Lentement étouffé. Toi, tu vas battre ce record. Trop fier pour mendier, hein? Oh. Bonjour. Je suis le shérif Harper, Duck Creek. Je ramène un assassin que je viens de cueillir. Shérif, je suis William Normand. Ex-colonel de l'armée unioniste, nous allons à Tucson. Vous savez où vous êtes? Au Canyon de la Muerte, je crois bien. Ouais, c'est le canyon de la mort. Comment se fait-il qu'on vous ait laissé prendre ce chemin sans escorte? Le fort manquait d'hommes par suite des raids que les Apaches font dans le nord. Tous mes hommes sont des vétérans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus. Contre les Apaches? Mais non. Nous venons de l'autre côté du Mississippi. Bah, vous aurez besoin d'un fusil de plus, jusqu'à ce qu'on arrive à Oak Creek. J'espère que vous surveillez bien votre prisonnier, shérif. Nous avons des femmes et des enfants avec nous. Il ne bougera pas. Avant même qu'il ne pense à s'échapper, il sera mort. Qui sont ces gens, colonel? Le shérif d'Oak Creek, Madame Clinton, qui livre un meurtrier à la justice. Clint, qu'on forme le cercle, qu'on se rassemble près du grand pin. Bien, colonel. C'est vraiment un assassin? Et vous allez le pendre? Pourquoi pas le pendre ici ce soir? Parce qu'il y a $1,000 de primes promis par l'État pour sa capture. Vous pouvez dormir sous le dernier chariot. Clint, on va camper ici? Oui, petite sœur, on sera bien. Ne lâche pas ton fusil. Il a tué plus d'hommes que tu n'as de taches de rousseur. Je n'en ai pas une seule. Et peu importe ce qu'il a fait. C'est un être humain et vous le traitez moins bien qu'un animal. Cette jeune femme a raison, shérif. Enchaînez votre prisonnier, mais pas de brutalité. Écoutez, vous autres. C'est Todd le Comanche, ce gars-là. Il a tué 3 de mes frères, en embuscade, comme un Comanche, pas comme un blanc. Ne vous fiez pas à la couleur de ses yeux et de sa peau. Sa peau est peut-être blanche, mais il a l'âme d'un Comanche. Il a vécu 20 ans parmi eux par goût. Et croyez-moi, un blanc de son espèce qui préfère les Comanches aux siens, ça ne vaut pas grand-chose. Même rien du tout.
Alors ne venez pas vous apitoyer sur le sort de ce sale type. C'est de la raclure de fond de poubelle, il n'y a pas pire au monde. Un tueur qui a l'âme d'un pot rouge. C'est un être humain tout de même. Allez, Billy, faisons manger et boire nos bêtes. À la soupe, tout le monde! Allez, venez vite! Venez la chercher tant que c'est chaud! Le reste des pommes du Colorado! Alors, c'est l'heure de faire le plein. Salut, shérif. Madame Clinton vous donnera deux parts et deux gamelles. Si vous voulez, le sergent gardera le prisonnier pendant qu'il mangera. Il mangera pas. Faisons notre prière. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions de continuer à nous guider dans ces terres hostiles. Nous te remercions du réconfort que tu nous as donné. Nous te prions de nous guider vers le bien, la bonté et l'amour de notre prochain. Chaque jour, apprends-nous la générosité en partageant avec nos frères tes dons et ton infinie bonté à chacun selon ses besoins. Ainsi soit-il. Vous voulez un peu d'eau pour le faire descendre ? C'était le shérif. Je ne vous préviendrai plus, vous autres. Je parle pas pour rien dire. Il ne mangera pas. Je tuerai le premier qui cherchera à le faire manger. Je compte le ramener vivant, mais tout juste. Posez votre fusil, shérif. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez passé les bornes, shérif. Nous sommes chrétiens, nous aimons nous croire civilisés. Nous ne pouvons non pas laisser un homme mourir de faim et de soif. Détachez-le. Je ne me laisse pas intimider. Et moi non plus. Détachez cet homme. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous pouvez lui enchaîner une main à la roue. Comme ça, votre prisonnier sera attaché et il pourra quand même manger. Maintenant, si quelqu'un veut lui apporter une gamelle... En voilà une. Me donnez-vous votre parole que vous vous conduirez raisonnablement. Et vous, ne vous avisez pas de lever votre arme sur quiconque des nôtres. Même contre des enfants trois fois plus petits que vous. Elle lui lave la figure. Pour un peu, elle se jetterait dans ses bras. Rends-toi compte, cette fille a tellement faim de tendresse qu'elle est prête à aimer un Indien, même meurtrier. Elle est bonne, c'est tout. Elle n'est pas de notre milieu. Peu lui importe l'opinion des autres. Regarde-la. Ça ne me surprendrait pas si elle allait le retrouver la nuit, quand nous serons tous endormis. Cette fille n'a aucune pudeur. Non, c'est toi l'impudique. Que veux-tu dire par là ? Tu es prude dans tous tes actes et sale en pensée. Moi, sale ? Oui. Quand tu dis « elle est prête à aimer un Indien », dans ta bouche, ça paraît sale. Oh, c'est exactement le fond de ma pensée. Je trouve ça très sale. Je trouve que c'était répugnant quand mon père a pris ta mère pour femme. Tu trouves sans doute que c'était propre, ça ? Un homme blanc et une squaw Navajo qui se faufilent dans quelques coins obscurs la nuit comme deux animaux. On en voit le résultat, toi. On ne croit pas qu'une éducation et un nom blanc masquent tes origines. Tu crois que ça me plaît d'avoir une demi-sœur pareille,
Pas du tout. Crois-tu que je n'ai pas honte de mon père et de ce qu'il a fait? Oh oui, j'en ai honte. J'en ai même tellement honte que ça me donne envie de vomir. Je comprends parfaitement que tu aies honte. Honte de toi-même. J'ai connu la mère de Jolie avant de connaître la tienne et je l'ai tendrement aimée. Tendrement? Est-ce que tu l'as jamais dit à ma mère? Est-ce pour ça qu'elle est morte? As-tu fini enfin par trouver le courage de lui avouer que tu étais tombé amoureux d'une indienne pouilleuse à qui tu avais fait un enfant? Va dans la voiture et reste-y. Jolie, je ne peux même pas te demander de lui pardonner. Elle a raison d'être blessée. Elle a honte de moi devant les autres. Vous ne voulez pas que je vous apporte autre chose? Non, ça me suffit. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont vous pendre, Monsieur Todd? On le dirait. Vous n'avez pas peur? Pas encore. Moi, j'aurais peur. Je parie que ça fait mal. Oui, je suppose que oui. Dis, comment s'appelle ta sœur? Jenny. On va à Tucson maintenant. Il y a un gars là-bas qui veut l'épouser. Et elle, pourquoi veut-elle l'épouser? Parce qu'il a promis de m'élever. Bon, il faut que j'aille au corvée maintenant, Monsieur Todd. Vas-y. Alors, à tout à l'heure. Oui. Je suis content qu'elle vous plaise. Regarde son effrétille. Il doit avoir une de ses envies de fumer. Si tu le laissais tirer une bouffée. Tu penses pas que je vais lui permettre de fumer ma pipe, hein? Ta pipe, c'est celle de ton père. Qu'est-ce que tu as? T'as peur d'un petit assassin minable? Tiens, donne-la-moi. Vous fumez? Merci. On dirait que ça vous fait plaisir. Personnellement, je fume pas. Oui, comme vous dites. Ça me fait bien plaisir. Tu veux te faire tuer? C'est vraiment pas bien grave. Un petit malin, hein, qui recherche les pépins. Non, je ne recherche pas les pépins. Mais je ne vois pas quel mal il y a à lui faire tirer une bouffée. Tu ne vois pas, hein? Il fait du mal à Clint! Laissez-le tranquille! Laissez-le tranquille. Clint. Je vous avais prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Il ne recommencera plus. Mince, il n'y a qu'un Comanche qui est capable de lancer une hache de guerre comme ça. Monsieur Todd n'est pas un Comanche. Il a voulu défendre Clint. Bien, allons voir s'il l'a vraiment tué. Non, reste ici. Vous avez violé une promesse. Et je me sens responsable parce que j'avais cru que vous vous conduiriez raisonnablement. Ça m'a semblé raisonnable. J'avais le droit de la battre. Mais je ne pense pas que mon point de vue vous intéresse le moins du monde, pas vrai? Non. Vous l'exposerez aux autorités quand nous serons revenus dans un pays civilisé. Et si vous tentez de vous enfuir, nous sommes prêts à vous abattre. Vous avez compris? Ça semble raisonnable. Je vous apporte quelque chose. Ah, merci, fiston.
du pain d'avoine au raisin et à la cannelle blanche. C'est ma sœur qui fait. C'est bon. Monsieur Todd. Vous avez vraiment tué tous ces gens, comme disait le shérif? Oui. Dites, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Espérez-vous aller au paradis? Pourquoi demandes-tu ça? Ben, je m'étais dit que j'irais bien un jour au paradis. Et je pensais que ce serait plutôt chic si je vous y retrouvais. On jouerait au Boy Scout tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un s'approche du chariot du colonel. Je vais aller voir. Tu auras le cran de faire ce qu'on a dit? Papa est furieux contre moi. Il est sous sa tente, là-bas. S'il nous y prend, il nous tuera. Mais il n'en saura rien, on sera de retour avant l'aube. Ce sera amusant, viens donc. Oui, et après, tu iras t'en vanter devant tout le campement. Ce serait la première fois que j'irai prendre un bain de minuit seul avec un garçon. Personne ne le saura. Si on part tout de suite, on rentrera avant le lever du soleil. Il fera nuit. Viens. Je le dirai à personne. Où se déshabillera-t-on? Là-bas, pour à cheval, naturellement. Allez, viens. On ne trouvera plus d'eau avant 100 km. J'ai scellé mon cheval. Je ne dis pas que j'irai, je ne dis pas que je refuse. Bon, ça fait rien. Je vais emmener Joly. Alors qu'est-ce que tu attends? Vas-y! Joly. Comment savais-tu? J'ai entendu. Si elle ne veut pas y aller, j'y vais. Rich! Je suis prête. On ne peut pas monter à trois. Et puis j'ai qu'une selle. Alors? Qu'il te prenne en coupe, je monterai à Cru-sur-Belle. Je viens aussi. Chut. C'est pas pour les mômes. File. Vous n'êtes pas des mômes? Je vais te corriger, je te préviens. Si vous faites tant de bruit, personne ne pourra y aller. Qu'il monte avec moi. Serre-moi bien fort. Et comment? J'ai l'impression d'avoir fait du joli en vous permettant de fumer cette pipe. Ne vous en faites pas, mon vieux, vous n'y êtes absolument pour rien. Ayant à la fois une hache et Bull Harper à portée de la main, ce qui devait se passer est arrivé, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Est-ce que vous n'auriez pas vu mon frère? Il est allé nager. Comment? Oui, nager, avec le grand Bellâtre et les deux sœurs, à notre dernier passage à guet, paraît-il. Le petit démon. Oui, mamselle, il a tout du démon. Il est très bien, ce petit. Si le colonel l'apprend, ça va faire du vilain. Ne les bruitons pas. On va les ramener nous-mêmes, comme ça personne ne le saura. Je suis de garde. Vous pouvez y aller. S'il y a du danger, j'appellerai. Ça ne me paraît pas régulier qu'un prisonnier monte la garde. Je suis sûre qu'il voit et qu'il entend aussi bien qu'un autre. Bon, je vais aller chercher mon revolver. Merci, monsieur Todd. Est-ce que vous sentez bon? Le dernier halo est une mauviette. Où est ton maillot de bain? J'y vais sans rien. Si jamais tu oses faire ça, je te flanque une fessée, mon bonhomme. Ce sale garnement n'a même pas pris de maillot. Et moi non plus. Va nager un peu plus bas. Ah, chouette! Évite les rapides et surtout ne nous regarde pas. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu veux dire que tu n'as même pas apporté un maillot de bain? C'est exact. C'est pas possible. Et elle n'en a pas non plus? Oh, c'est froid. Mais ça fait du bien. Tu as manigancé tout ça pour m'humilier. Manigancé quoi?
Elle n'a rien sur le corps, elle est complètement nue. Mais qu'est-ce que tu en sais? Il fait trop sombre pour voir. C'est une sauvage. Bien sûr, avec moi ça fait deux. Je trouve ça honteux. C'est un péché. Et il fait si noir que ça n'a pas d'importance. Tu nous espionnes, hein? Où donc Billy se cache-t-il? Je suppose que tu vas nous dénoncer. Pourquoi ça? J'aurais voulu venir avec vous. Où est Billy? Rassure-toi, je l'ai envoyé un peu plus bas, il peut rien voir. Au secours! Oh, Billy! Au secours! Jenny! 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 Au secours! Jenny, au secours! Tu as vu ces rapides ce matin? Tu ne savais pas qu'ils risquaient d'entraîner le petit? Si, mais je ne pensais pas. Arrêtez! Billy ne s'est pas noyé. Si vous ne vous dépêchez pas, il fera jour avant qu'on revienne. Et ils verront que nous sommes partis. Il fait presque jour. Alors, tu ne me grondes pas? Oh, trop heureuse de te retrouver. Mon Dieu. Le chariot auquel M. Todd était attaché, il n'est plus là. M. Todd, il est là sous la roue.
Vous pouvez remuer un peu, Monsieur Todd? Non, pas beaucoup. Je suis coincé entre ces rochers. C'est ce qui m'a sauvé. Est-ce qu'il y a des survivants là-haut? Rien que ceux qui étaient allés nager. Oh, c'est épouvantable. Vous êtes blessé? Non, non, je ne pense pas. Comment es-tu descendu? Avec une corde. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux soulever le chariot qui coince cette roue? Je vais voir. Si je le fais bouger, j'ai peur que tout dégringole et que ça vous entraîne. Bah, essayons. Allez, vas-y, pousse. Je peux monter sur la roue? Bien sûr, vas-y, vas-y. Ils ont trouvé quelqu'un. Je peux pas la remuer. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu peux bouger sans danger là où tu es? Oui, le rebord est large. Ben, alors attache la corde à la jante et fais hisser le tout, moi et la roue. Ça va. Allez, hisse, Jenny! Doucement! Bon, allons-y! Merci. Renvoyez la corde à Billy maintenant. Alors, ça va, Monsieur Todd? Oui, je crois que oui. Comment vous détachez de cette roue? Ben, voyons, peut-être qu'en passant la corde dans les rayons et en tirant dessus, ta sœur peut les faire sauter, hein? C'est ça. Qui est-ce qui dit qu'on va le détacher? Oui, je l'avais laissé de garde. Il vaut mieux qu'il nous dise d'abord pourquoi il n'a pas alerté les nôtres. Je l'ai fait. Mais avant qu'il soit réveillé, les Apaches submergeaient tout. Personne n'a pu se défendre. Comment se fait-il qu'ils aient tué tous les nôtres et que vous soyez encore vivants? Ça, ils l'ignoraient. Je vais vous le dire, moi. Parce que c'était pas des Apaches, c'était ses propres Comanches. Il n'a donné l'alerte à personne. C'est pour ça qu'il est vivant. Si ça avait été des Comanches, croyez-vous que mes propres amis m'auraient jeté dans le ravin? Vous n'avez pas le droit d'être vivant quand les nôtres sont morts massacrés. Vous n'avez pas le droit d'être vivant. Je t'en prie, Valinda. Je ne me tairai pas. Bien sûr, tu es de son côté. Naturellement, tu es indienne toi-même. Tu n'as aucun sentiment. Tu n'as même pas pleuré. Ça t'est complètement égal que papa soit mort. Viens, Valinda. Cette petite a les nerfs en boule, on dirait. Maintenant, Jenny, si vous voulez bien tendre un peu cette corde. Ah non, jamais! Dites, pendant qu'il cajole cette corde, vous pourriez faire sauter les rayons à coups de revolver, comme ça, ça me libérerait. Si tu fais ça, ils nous tuent tous! Allons, j'ai aucune raison de vous tuer. Enchaîné à cette roue qui pèse sur son dos, il succombera. Qu'est-ce que ça fait qu'il vive ou qu'il meure? Il ne nous est rien.
Il compte pour moi et pour Jenny. Je crois qu'il compte pour nous tous. Et on ferait bien de voir les choses en face. Nous sommes plus seuls maintenant que nous l'avons été de toute notre vie. Si on obtient de M. Todd qu'il nous mène, peut-être qu'on survivra. S'il ne veut pas, nous n'en sortirons pas. Que lui nous mène ? Nous trouverons notre route. Prenons les cartes de mon père. Elles ont brûlé. Mais il nous suffira d'aller vers l'ouest pendant 200 kilomètres. Faites-le donc, et les Apaches vous apercevront avant que vous ayez fait 500 mètres. On peut toujours faire demi-tour, revenir sur nos pas et repasser par le gué ? Vous croyez ? Regardez. Il n'y a qu'un moyen de sortir d'ici. Passer par le canyon de la mort. Alors, si vous voulez me libérer en tirant... On ne libérera pas cet assassin. Dégagez. Tout le monde. Dites-lui de ne pas bouger ou je tire sur vous. C'est sérieux. Ben, mon gars, je vais te dire ce que je pense. Tu pourrais tuer un homme si tu avais assez peur. Mais tu n'as pas encore assez peur. Pas encore. Allez-y, Jenny. Allez, Hugh. Eh ben... Puisque c'est toi le patron ici, est-ce qu'il ne reste pas quelques barriques d'eau intactes ? Parce qu'il n'y a pas d'eau du tout là où on va, pas une goutte. Maintenant, pour les vivres, tout a brûlé ? J'en sais rien. Si vous n'étiez pas une brute, un sauvage, vous n'oublieriez pas notre devoir envers nos morts. Votre devoir est envers vous-même, si toutefois vous tenez à vivre. Nous allons enterrer nos morts, voilà notre premier devoir. Je ne te le conseille pas. Je me moque de vos conseils. Nous suggérez-vous de laisser nos pères, nos mères devenir la proie des bêtes sauvages ? Ils sont morts, non ? Vous êtes un monstre. Billy ? Oui ? Un des chevaux est à toi ? Le bai. Va le chercher, veux-tu ? Vous et votre frère m'avez aidé, j'ai une dette envers vous. Ces gens-là ne vont pas tarder à mourir. Si vous voulez, vous et Billy, vous pouvez partir avec moi. On essaiera de passer par le canyon. Je le croyais tabou pour les Blancs. C'est pour ça qu'on le prendra. On peut peut-être le passer, vous et moi et le petit. Mais que font les autres ? Les imbéciles se font toujours tuer. Ils n'ont qu'à creuser les tombes. Les premiers Apaches qui passeront liront les signes et sauront qu'il y a des survivants. Et les Apaches savent suivre les pistes. Ces gens-là mourront vite. Monsieur Todd, je peux venir avec vous ? D'accord. Vous avez l'air un peu moins stupide que les autres. Vous pouvez venir avec nous. Monsieur Todd connaît les Indiens et il connaît le pays. Ne voyez-vous pas que c'est votre seule chance ? Je ne veux pas les emmener. Je comprends maintenant pourquoi vous ne vouliez pas que nos morts soient enterrés. Mais voyez-vous, eh bien moi, ma mère et ma sœur, nous nous aimions beaucoup. Nous sommes tous sur le sentier de la mort. Les Indiens disent qu'un guerrier qui meurt pour les siens a la plus belle des morts. Mettons que vos parents ont eu l'occasion de mourir pour vous. J'aimerais aussi venir avec vous. Bien sûr. Bon, j'y vais aussi. Mais je veux que tout le monde le sache. Je n'accepte aucun ordre de personne. Je garde le revolver. Et je ne veux pas qu'on lui enlève les menottes. Et maintenant, raclons tout ce qu'on peut racler. Cherchez des tonneaux pour l'eau. Peut-être que les Apaches en ont laissé d'autres. On va avoir besoin de chaque goutte d'eau qu'on pourra trouver. Et il va falloir rafistoler un chariot avec les débris des autres. Mmh.
ben ça alors. Ça va me faire un joli souvenir. Pendant que j'y pense, cherchez ce qui peut nous servir d'arme. Quelque chose comme ça. Ne craignez pas de voler les morts. Ils s'en fichent maintenant. Il y a presque 300 Apaches au trou d'eau. Ils viennent de toutes les directions. Montagne Blanche, Mescaleros, plusieurs pistes. Il paraît qu'un groupe de Blancs aurait attaqué un de leurs campements et massacré 110 Apaches, des femmes et des enfants. Ils se rassemblent pour se venger et ils veulent tuer 10 Blancs pour un des leurs. Vos parents ont payé les premiers. Et pendant 2 jours encore, ils vont s'exciter avant de prendre le sentier de la guerre. Ce qui signifie qu'on a 2 jours et 2 nuits pour filer aussi loin que possible. On ne doit s'arrêter pour rien. Si jamais il m'arrivait quelque chose, vous n'aurez qu'à... Venez, il vaut mieux que je vous montre. Le voilà. Il s'étend aussi loin vers l'ouest que vous pouvez le voir, et même plus loin. C'est le canyon de la mort. Les Indiens disent que la nuit, on y entend des cris qu'on oublie plus de sa vie. Ce n'est que le vent, généralement. Si jamais il m'arrive quelque chose, continuez vers l'ouest. Vous ne trouverez pas d'eau avant 8 ou 10 jours de marche, si vous êtes encore en vie. Je ne promets pas qu'aucun de vous survivra. Mais je peux vous dire que c'est votre seule chance. On se cache ici jusqu'à ce soir. Vous nous faites marcher 48 heures pour échapper aux Apaches. Et maintenant, on s'arrête une journée. Pourquoi ? La poussière sur 8 km. Si on continue, on soulèvera des nuages que les Apaches verront de très loin. À partir de maintenant, on se cache le jour et on marche la nuit. Par ici. Et là, allez ! Et là, allez ! Allez ! Ça va aller. Vous avez fait du bon travail. Vous voyez qu'on peut se passer de manger et de dormir et qu'on peut se contenter de quelques gouttes d'eau. Nous étions en train de penser à nos parents. Je sais que ça semble idiot à la plupart des Blancs, mais les Indiens ne souffrent pas comme vous quand un des leurs est tué. Parce que les Indiens pensent que les morts courageux vont dans les hautes terres où l'on est très bien. Le gibier y abonde et l'hiver n'y est jamais rude.
Beaucoup d'eau, de beaux pâturages aussi. Un sauvage comme vous ne peut pas savoir ce qui se passe dans le cœur d'un être humain? Non, peut-être pas. Mais il n'y a pas longtemps, ceux que j'aimais le plus ont été tués. Ma femme et mes deux fils. L'un d'eux n'était pas plus grand que ça. L'autre à peu près comme ça. Ça me fait du bien de penser qu'ils sont allés dans les hautes terres. Peut-être qu'en faisant un effort, vous pourriez penser comme les Indiens. Je hais les Indiens. Vous avez été très bon de nous parler comme ça. Je pensais que ça pourrait détendre notre boule de nerfs si elle pouvait y croire. Moi, ça me fait du bien. Les Indiens sont sûrement moins malheureux grâce à leurs croyances. Maintenant, écoutez-moi tous. Je sais que vous êtes épuisés, mais avant de se reposer, il y a les corvées. Si on veut trouver à manger dans les bois, il faut le faire de jour. Je vais chercher des plantes que mangent les Indiens. Bon, vous voyez que partout les Indiens sont imbattables. Je suppose que votre peuplade connaît aussi des plantes qui portent un petit baquet d'eau caché dans leurs fleurs. L'herbe à cochon contient de l'eau dans sa tige. L'herbe à cochon, je préfère mourir que d'en manger. Les Indiens et moi n'avons pas le même estomac. Maintenant, écoutez. Je n'ai pas l'intention de laisser mon squelette dans ce canyon. Celui qui m'embêtera trop, je lui planterai mon couteau dans le ventre et je le laisserai pourrir sur le chemin, alors vous allez filer doux. Et ça s'adresse à toi aussi. À partir de maintenant, vous allez filer doux, tous les deux. Oui, très doux. Allez aider votre sœur. Vite! Ramenez du bois très sec, les gars. Si vous n'en trouvez pas, déterrez des racines mortes, mec. Ça ne fume pas. Billy, va chercher un peu de brindille. Hein? Entendu. Jenny, venez avec moi. Qu'est-ce que vous allez faire pendant que nous autres on travaille? Je vais m'asseoir à l'ombre et vous attendre. Tu permets, fiston? En quoi puis-je être utile? Vous savez où sont les cars? Mmh. Amenez-les. C'est Billy qui sera préposé à l'eau, un quart chacun, matin et soir, et le double pour les chevaux. Tenez, inscrivez les noms avec ça. Votre femme, est-ce que c'était une Comanche? Jeune? Je l'ai épousée à 15 ans. Ça me semble très jeune. Ben, les filles et les chevaux, c'est pareil. Plus jeune on les dresse, mieux ça vaut. Sans ça, ils deviennent sauvages. Vous adressez? Au mariage? Non, pas encore. Il me semble qu'il y a longtemps que vous devriez être mariés. Mais je crois que les Indiennes mûrissent plus vite que les Blanches. Elles vieillissent plus vite aussi. Oui, je suppose que c'est vrai. Pas la mienne. Elle n'a pas eu le temps. Elle n'avait que 20 ans à sa mort. Dites, parlez-moi un peu de votre ami de Tucson. C'est Billy qui vous a mis au courant. Il m'a dit que vous aviez l'intention de l'épouser, c'est vrai? Ça fait déjà longtemps que lui veut m'épouser. Il se chargera d'élever Billy. Billy doit être élevé dans la nature, les villes sont mauvaises. Quel nom est-ce que je mets sur votre car? Comanche ou Todd, faites votre choix. Vous n'avez jamais eu de nom de baptême? Je ne l'ai pas entendu depuis mon enfance. Mon petit nom est Jonathan. Je fus baptisé par mon père. C'était un de ces évangélistes itinérants, vous savez. Il m'emmenait partout où il allait. J'ai appris mon alphabet assis derrière lui, sur la selle. Oui, il ne vivait que pour moi. Et pour répandre la parole de son Dieu dans tout l'Ouest. Son Dieu? Pas le vôtre? Non, plus après que mon père ait été blessé quand nous étions dans le désert. Je n'avais que 8 ans. Il est mort dans mes bras et je suis resté seul. Je ne l'ai pas quitté pendant 3 jours. J'attendais et je priais pour qu'il revienne à la vie. Alors les Comanches sont arrivés et leur chef m'a adopté. Et c'est comme ça que je suis devenu un Comanche. Oh, 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 c'est bon ça. Formidable. Et là. Ça va me servir, ma petite Jenny.
Il faut chercher des traces d'animaux. Des pistes. Des fientes. Des terriers. Comme ça, regarde. Tu vois, avec un bâton fourchu comme ça, on arrive souvent à faire sortir la bête du trou. Mais si c'était un serpent? Non, un blaireau. Peut-être un lapin qui a pris la suite. Il est dans son trou. Regardons voir ce que c'est. Un lapin. On mangera bien ce soir. Comment savez-vous ce que c'est? Ce sont des poils de lapin. Tu crois que tu peux le prendre? Oh oui, que faut-il faire? Je vais te montrer. Tu fais un nœud coulant. Comme ça. Tu le mets devant le terrier. Et au moment où il sortira, il pose les pattes dedans. Tu tires, et on a un lapin. Et où serez-vous? Oh, moi, je serai tout prêt. Je vais poser des pièges pour qu'on puisse faire un pot-au-feu. Mais surtout, ne t'éloigne pas. Attends-moi tranquillement. C'est un sorcier, comme Geronimo. Il précède toujours les guerriers sur le sentier de la guerre pour obtenir l'aide des dieux. Tu vois, ils sont encore là-haut. Allez, viens, mon gars. Amène ta dinde du désert. Pomper le poison dans vos veines. Il faut faire un garrot. Je cherche un bâton. Billy, fais vite pour empêcher le venin de monter jusqu'à son cœur. Où est-ce? Mon Dieu, je vais mourir. Elle va mourir si elle ne se calme pas. C'est au moment où on devrait tous être bien cachés et ne pas faire de bruit qu'on tient une réunion publique en plein air. Courez vous planquer, vite! Pas les Apaches, c'était notre revolver. On n'a que 6 balles et cet idiot en gaspille 3 a tiré sur une vermine qu'on peut tuer d'un seul coup de trick. Je l'ai trouvé et je l'ai tué. Et tu es fier de toi, hein? Si tu voulais signaler à toute la nation Apache où nous étions, il n'y avait pas de meilleur moyen. Ne vous en faites pas pour ça. J'ai bien exploré les ravins et je n'ai pas vu le moindre signe d'un Apache.
approchez, si vous n'avez pas peur d'un Comanche. Vous leur demandez d'approcher? Vous êtes devenu fou. Ils vont voir que nous n'avons pas. Il y a longtemps qu'ils ont déjà tout vu. Les femmes aussi, grâce à toi. Venez! Ils arrivent. Ils vont voir qu'on ne peut pas se défendre. Pourquoi les faites-vous venir? Il n'a pas cessé d'être de leur côté. Vous, les femmes, montez dans le chariot. Toi aussi, Billy. Reid, donne le revolver à Clint. Vite! Tu as vu ce que les Apaches ont fait à ta mère et à ta sœur. Si je ne réussis pas, évite-le aux trois femmes. Réussis pas quoi? À en tuer deux au lieu d'être attaqué par 200 plus tard. Toi, Comanche? Comanche. Il a toujours fallu deux Apaches pour venir à bout d'un Comanche. Les chevaux! Allez les cacher! Filez d'ici, déchargez le chariot. On part de jour? À la nuit, à toute vitesse. Comment va notre empoisonnée? Une fièvre terrible, elle peut mourir. Évidemment, à pomper le venin dans son cœur comme ça. Écoutez, quoi qu'il arrive, ne courez jamais si un crotal vous mord. Jamais, je le jure. Que ferez-vous avant tout? Je m'assoirai et je vous attendrai. Beaucoup de fièvre, hein? Et elle va avoir des frissons aussi, avant longtemps. Elle peut en mourir. Est-ce que vous serez triste? Oui. Je ne l'aurais pas cru, mais je le serai. Merci de l'avoir soignée. Et merci pour tout, Monsieur Todd.
peut-être la fin du voyage. Cachons le chariot. Aucune chance que ce soit l'armée au lieu d'être des Apaches. On a fait du chemin. Je vais aller voir. En tout cas, cachez le chariot. Bon. Est-ce que je vais mourir? Pas si tu tiens suffisamment à la vie. J'ai si chaud. Va te reposer, Julie. Je vais rester auprès d'elle. Il faut boire beaucoup, Valinda. Ça te fera du bien. Beaucoup. Je croyais que Monsieur Tad avait dit qu'il n'y avait presque plus d'eau. C'est vrai. Nous sommes rationnés, mais Monsieur Tad et ta sœur ont fait plus encore. Ils se sont privés d'eau depuis que ce serpent t'a mordu. Pourquoi? Je pensais qu'ils me détestaient. Ils ont estimé que tu en avais plus besoin qu'eux. Jenny. Voir, il porte le nom de Billy. Il veut t'aider aussi. Tu sais, Billy a beaucoup mûri pendant ce voyage. Peut-être que toi aussi, Valinda. Eh bien, voilà. Je n'ai rien promis quand on a commencé ce voyage. Maintenant, on dirait que c'était encore trop vous promettre. On ne peut ni avancer ni reculer. Et il ne nous reste que 3 balles contre 300 Apaches. C'est pas assez. Vous voulez dire que c'est un campement d'Apaches? Oui, de belle taille, et il en vient de toutes les directions. Pour nous attaquer? Non, non, ils n'auraient pas besoin de se réunir si nombreux pour nous anéantir. S'ils savaient qu'on est là, on serait morts. À l'aube, leurs éclaireurs sortiront, et nous le serons probablement. Tout ce qu'on peut faire est de rester cachés. Je ne crois pas qu'il y ait un seul Apache dans toute la région. Si je le dis, c'est qu'ils y sont. Ce sont des soldats. Le colonel a dit qu'après 5 jours, on verrait des soldats. Et à présent, ça fait plus de 5 jours. Si c'était des soldats, pourquoi crois-tu que je ne voudrais pas vous le dire? Mais pour qu'ils ne vous pendent pas, haut et court. Quoi? Ce que Ridge veut dire, c'est que... on sait que les troupes sont sûrement parties à votre recherche. Rien de plus naturel que vous vouliez éviter qu'elles vous capturent. Nous vous comprendrions. Vous ne croyez pas que je mentirais pour ça? Non, je ne crois pas. Moi non plus. Ni moi. Et la malade? Elle vous a réclamé plusieurs fois. Comment ça va? J'ai entendu ce que vous venez de dire. J'ai été plus méchante que les autres avec vous. Je l'ai fait exprès. Tiens. Je l'avais depuis le premier jour, mais je vous détestais. La clé de ses fers. Et c'est vous qui l'aviez. Ça alors, il fallait vraiment que vous me détestiez. Billy, à toi l'honneur de me délivrer. Oh. Tu sais, Billy, si mes fils étaient encore en vie, j'aime à croire qu'ils te ressembleraient, mon petit. Soyez toujours fiers, ne l'oubliez pas. Où allez-vous? Je monte en haut de cette colline, et si je vois des Apaches, je crierai pour vous prévenir. Vous courez votre dernière chance en filant vers l'ouest le plus vite que vous pourrez. Et vous, que ferez-vous, Monsieur Todd? Moi, Ridge a dit vrai, même si j'en réchappais, ce serait pour être pendu. Garde tes balles, fiston.
c'est moi, Jenny. Vous n'auriez pas dû monter. Est-ce que c'est de là qu'ils vont venir? Oui. Ce que vous avez dit en partant, ça ressemblait à un adieu. Billy vous adore. Il est bien trop grand pour pleurer en s'endormant, mais ce soir, il l'a fait. C'est plus un homme qu'un enfant. Un coyote. Un vrai, pas un apache. Comment le savez-vous? Quand votre vie en dépend pendant 20 ans, on le sait. Parce que si on ne le sait pas, on est mort. Je suppose que Monsieur Wallen croit que nous sommes morts depuis longtemps. C'est le gars de Tucson. Là-bas, il a un beau magasin. Il m'a envoyé des photos quand il nous a demandé de venir. Je suppose qu'il a installé une maison pour que vous et Billy y habitiez. Oui, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'on fait toujours. Pourquoi n'entend-on plus le tambour? Je l'ignore, leur feu brûle toujours pareil. En tout cas, on les entendra mieux s'ils sortent de leur camp. Je préférerais qu'ils continuent leur tam-tam. Ils sont toujours là. Moi, Je n'ai jamais pu supporter de vivre dans une maison. Les murs craquent et les fenêtres grincent. On entend du bruit toute la nuit et ce n'est pas naturel. Mais il faut bien avoir une maison, un toit au-dessus de la tête. Le ciel peut faire le toit. Comme cette nuit. Mais en hiver... Vous n'êtes jamais entré dans un wikiup. C'est en branche de saule, ça sent bon. Et c'est facile à construire n'importe où vous avez envie d'être. Et puis au printemps ou en été, vous déménagez si ça vous plaît. Ce n'est que provisoire, ça. Ça dure le temps qu'on veut. Des années, des mois. Ou juste une nuit. À 3 jours d'ici, on aurait le choix. Une boucle de la Powder River ou une vallée tranquille. Ou sur un haut plateau. Il y a des milliers de cascades sur la Powder, c'est comme une musique. Je vous en prie. À cette époque, l'herbe est sèche et le vent la fait chanter en passant à travers. Je sais que ça doit être beau, mais... J'ai vu des wake-ups de 7 mètres de diamètre. Avec des clochettes à la porte qui tintent à la brise. Ce n'est pas du tout pratique. Et le petit verra son premier troupeau de buffles. En cette saison, il y a beaucoup de veaux qui jouent comme des petits chiens. Mais il faut qu'il aille en classe. Il n'en apprendrait plus que dans les bouquins. Et ça lui resterait. Le vrai sens de la nature. Du soleil, de la lune. De l'amitié. Des choses réelles. Sans jamais avoir un vrai foyer. Notre foyer sera où nous serons. Et il sera vrai. Ce n'est pas ce que je projette. Je ne savais pas que les Comanches s'embrassaient comme ça. Les Comanches, jamais.
vous ne me l'avez pas dit clairement, mais en réalité, vous pensez qu'il n'y aura pas de lendemain pour nous. Vous parliez de ce que nous aurions pu avoir, n'est-ce pas? Je ne veux pas retourner au chariot. Si ça doit être notre dernière nuit, je veux la passer ici, avec vous. Pour savoir quel genre de toit auraient fait les étoiles. Vous n'avez pas peur? Pas avec vous. C'est vrai depuis le premier jour. Pendant que vous dormiez, les Apaches ont quitté le camp sans bruit. Ils sont derrière cette butte. Je viens de voir pourquoi. Qu'avez-vous vu? Des soldats. Une poignée seulement. 6 ou 8 contre 200 ou 300 Apaches qui les attendent. Vous ne pouvez pas les prévenir? Si. Oh, mais c'est comme si vous vous livriez. Des soldats. Que personne ne leur dise où il est. Les voilà qui descendent. Et Jenny est avec lui. Ils vont pendre Monsieur Todd. Vous n'êtes pas un peu jeune pour sortir tout seul? Nous sommes les filles du colonel William Normand. Notre caravane a été attaquée. Il ne reste que nous. Vous n'auriez pas rencontré un renégat assassin appelé Todd Lecommence par hasard? Voici mon père, Monsieur Putnam. Vous êtes Madame Putnam? C'est vous qui avez fait les signaux? Oui. C'est un bon truc indien de faire des signaux optiques. C'est eux qui me l'ont appris. Et ils vont vous apprendre quelque chose aussi si votre détachement ne rejoint pas le gros de la troupe. Quelques centaines d'Apaches vous attendent. Où? Derrière la butte du sud. Il n'y a pas de gros de la troupe, Monsieur Putnam. Nous sommes les éclaireurs d'un convoi de munitions et de vivres qui est à 1500 mètres à peu près. Et qui n'a pas plus d'hommes que nous. 8 cavaliers. Et c'est tout? C'est probable qu'on s'en tirera mieux sans vous. Pouvez-vous tenir à cheval? Je l'aiderai. Prenez les chevaux. Partons d'ici en vitesse, on ne peut rien emporter qui nous ralentirait. Faut abandonner le chariot. Où avez-vous trouvé ces chevaux indiens? Pas très loin d'ici. Comanche ou Apache? On ne trouve jamais de Comanche aussi loin dans l'ouest. Vous devriez le savoir, sergent. Merci. Il y a longtemps que vous combattez les Apaches? 6 mois.
Et vous, monsieur? Il y a 20 ans. Je m'incline devant l'expérience. Que me conseillez-vous? Les Apaches ne sont pas amateurs de belles batailles. Ils voudraient que vous alliez vers les bois, derrière cette butte. Ils n'aiment pas se battre à découvert, à moins d'y être forcés. Mais ce n'est pas à leur manière qu'on se battra, c'est à la nôtre. Se battre? À 16 contre 300? Vous ne croyez pas que nous ferions mieux de fuir, monsieur Putnam? Fuir? Oui. Par où? Formez le cercle! Tout le monde en avant! Allez! Faufile entre les arbres maintenant. Sera exposé à leur feu au moment où nous nous enfuirons. Les Apaches seront trop occupés à se sauver pour nous tirer dessus. J'espère que ça marchera. Avec votre science des Indiens, vous devriez être en uniforme. Ou peut-être pendu. Dès le début, j'ai su que vous n'étiez pas un simple fermier. Vous êtes Todd le Comanche. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, lieutenant? Si on s'en sort vivant, faudra que je vous livre à la justice. Ça me semble raisonnable. Si on s'en sort vivant. Vous feriez bien de les faire mettre en selle. Tout le monde en selle, faites passer. Tout le monde en selle. Partez en avant, moi je reste. Je regrette d'avoir vu l'étoile. Pas tant que moi. Come on.
Je prie l'accusé de se lever. Que ça me plaise ou non, je représente la loi dans ce territoire hostile. Je m'appelle Howard, et l'on m'a surnommé Howard la Bible. Mais qu'on ne m'en fasse pas le reproche, elle est le guide auquel je m'adresse en toutes circonstances. Vous êtes accusé d'avoir tué 4 hommes, ce qui prouve que la Bible ne vous guide pas. Les 4 frères Harper, tous les 4. Reconnaissez-vous les avoir tués? Je les ai tués. De sang-froid? Ça veut dire quoi? Si un homme en tue un autre sous le coup de la colère, peut-être même un moment de folie temporaire, c'est-à-dire pas de sang-froid, la loi appelle cela meurtre au second degré, non prémédité. Mais si un homme projette de tuer et que ce projet soit exécuté de sang-froid, c'est un meurtre au premier degré, puni de la pendaison. C'était le second cas pour moi. Un meurtre prémédité? C'est ça, oui. Je voulais tuer ces 4 hommes et je l'ai fait. Combien en avez-vous tué? Vous voulez dire au combat? N'importe où, combien? Pourquoi cette question? Au moment d'être pendu, je veux savoir si celui qui l'ordonne sait ce qu'il fait. Il y a une différence entre la guerre et le meurtre, une grande différence. Dites-moi la différence. En guerre, vous tuez les ennemis de votre peuple. C'est bien ce que j'ai fait. Mais ceux que vous avez tués pendant la guerre civile étaient de votre peuple. De mon peuple? Les confédérés? C'était des Américains, pas vrai? Vos compatriotes. Et ce sont vos amis maintenant que c'est fini. Eh oui. Donc vous tuez vos amis. Tandis que nous, nous sommes un peuple qui ne tue que ses ennemis. Quel peuple? Les Comanches. Mais vous êtes un blanc. Je l'étais. Jusqu'au jour où les Harpers ont fait irruption dans ma hutte et ont violé ma femme. Et l'ont tuée ensuite. Et quand mes fils ont voulu aider leur mère, les Harpers les ont tués aussi. En mettant leur figure embouillée à coups de talons. C'est ce qu'ils faisaient quand j'ai entendu les hurlements. Je me suis précipité chez moi. Trop tard. Mais pas trop tard pour voir les visages des frères Harper. Et même pendant qu'ils me criblaient de plomb, je continuais à regarder leurs visages. Et ensuite, quand ils m'ont laissé pour mort, je revoyais leurs visages. Et puis après, pendant que j'enterrais ma femme et mes fils, je revoyais toujours leurs visages. Alors la colère a fait bouillir mon sang, général, comme vous disiez. Mais comme je les suivais, mon sang s'est refroidi. Tout à fait. Et quand je les ai abattus, j'étais de sang-froid. De sang-froid, oui. Et j'étais heureux de les abattre. Si vous voulez me pendre pour ça, général, allez-y, parce que si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Je le ferai de gaieté de cœur. Les plus terribles provocations n'autorisent pas un homme à se substituer à la loi. La loi des Comanches dit qu'il faut venger son peuple. Vous êtes un blanc. Vous êtes par cela même lié par la loi des blancs. Il n'y avait pas de loi des blancs à moins de 300 kilomètres. Et même s'il y en avait eu, montrez-moi un juge blanc dans ce pays qui enverrait à la potence 4 autres blancs pour le meurtre d'une squaw indienne et de 2 petits Comanches. Oui, moi. La couleur de la peau des victimes ne fait pas de différence pour moi. Un meurtre est un meurtre. Et la loi est la loi. Comanche ou blanche, si elle est juste. Général. Général, vous dites que vous auriez fait pendre les Harpers pour le meurtre de ma femme et de mes enfants, d'accord? Selon la loi. Je n'ai donc fait qu'exécuter la sentence dont vous m'auriez chargé. Je n'avais pas besoin de l'étoile de shérif. Je ne vous aurais pas chargé de commettre des meurtres. Qu'il meure par la corde ou d'une balle, c'est pareil. Dans la Bible, n'est-ce pas la justice qui compte? Sur la terre, il y a beaucoup de peuples. De peuples qui ont chacun des lois différentes de celles du voisin. Mais la justice ne change pas, nulle part. Même dans les pays où l'on donne une médaille aux tueurs d'Indiens, comme ici. Une médaille comme celle que vous portez. Je n'ai aucune raison de tolérer que vous me preniez à partie, Todd. Ce n'est pas à vous de discuter mes mobiles. J'ai toujours fait ce qui me semblait juste. Et lui aussi. On a parlé jusqu'ici que de tuer, des existences qu'on a prises. Je n'ai pas entendu parler de vie qu'on a donnée. Vous dites qu'il a pris 4 vies. N'y a-t-il rien de prévu dans la Bible pour celui qui a rendu 6 vies et plus? Car ils seraient tous morts sans lui. Alors qu'il aurait pu se sauver, il nous a sauvés. Il aurait pu partir, et je l'en ai supplié. Mais il a voulu nous conduire en lieu sûr. Peut-être bien que c'est une conception différente d'œil pour œil.
car il s'agit d'avoir sauvé des vies au lieu de les prendre. Mais je sais que personne d'entre nous n'hésiterait à donner sa vie pour lui. Il a fait plus que de me sauver la vie. Il m'a donné une âme. Il m'a donné une chose sans laquelle je ne pourrais vivre. La fierté d'être moi. Nous voulons qu'il vive, général. Vous m'avez ému en me disant qu'il avait sauvé tant de vies. Aimez-vous cet homme? Oui, bien sûr. Oui, fiston. Moi aussi. Silence dans la salle, s'il vous plaît. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le président des États-Unis, je vais passer jugement sur l'accusé, Todd le Comanche. Vous avez bien défendu les Indiens. Et au péril de votre vie, vous avez sauvé celle de vos frères blancs. En conséquence, je vais user de mon droit de grâce et commuer la peine de mort. Accepteriez-vous de garder le prisonnier avec vous aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Oh oui, j'accepte. Moi aussi. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me. Why? Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two faces like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm growling. Like a cop in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like the rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head. I just can't, I just fucking can't. I've been living inside of you, but I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. 'Cause I've been living inside of you, but I guess this time I set me free. There's nothing that you can do. I hope you can see. Hey, what you working like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, ain't nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they know Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big, you fucking idiot. Cause I've been living inside of you, hitting me. But I guess this time I set me free. Oh, I love this. And there's nothing that you can do. But you got it all the way, I see. I know you can see. There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.